Nous allons maintenant accueillir un humoriste et imitateur qui s'est récemment illustré par son courage et son endurance dans la première compagnie sur TF1, mais qui avant cela a longtemps été la célèbre voix des marionnettes du bébé de show et aussi évidemment l'auteur des fameuses roucasseries, vous aurez reconnu Jean Roucas. Ce soir, Jean Roucas est accompagné de sa femme Florence, puisqu'ensemble ils ont écrit « Jamais l'un sans l'autre », un livre sorti la semaine dernière chez Michel Lafon, dans lequel ils racontent leur histoire d'amour. Début octobre, Jean Roucas sortira aussi un single intitulé « Super Papy ». Attention, les Rolling Stones n'ont qu'à bien se tenir. Accueillons tout de suite Jean et Florence Roucas. Bonjour, bienvenue. Bonjour Fabien. Je vous en prie, pas facile de passer. Voilà. Jamais l'un sans l'autre. Des jeunes mariés, on a vu des photos récemment. Oui, surtout elle. Ça faisait combien de temps que vous connaissiez? Ben ça, 8 ans. 8 ans. C'est cette histoire-là que vous racontez, les 8 années passées ensemble. Ouais. Ouais, ah. Oui, 8 années tumultueuses. Bon, donc vous n'avez pas été la première avec Jean-Marie. Non, la quatrième. Il y en a eu bien d'autres. La quatrième officielle. Oui. Comme dit Florence, je suis un intermittent du mariage. Et là, ça se passe bien, vous ne regrettez rien? Très bien, oui. Ça fait 3 mois, il n'y a pas de problème majeur pour l'instant. Ouais. Jamais l'un sans l'autre chez Michel Lafon. Alors, il y a ce disque, je suis un peu surpris, Super Papy, vous n'avez pas l'âge d'être un super papy, Jean Roucas. Eh si, 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 il faut croire. Hein, parce que quand même, ce qu'ils m'ont fait vivre là-bas en Guyane à 53 ans, j'en ai retiré qu'à cet âge-là, on n'est pas complètement manchot ni pourri. Je suis un super papy, je revendique. Et un super mari. C'est vrai? Ah, ouais. Bah, vous avez l'air heureuse en tout cas. Ouais. Elle a l'air contente, Mémé. Mais c'est vrai. Parce que... ce qui est formidable, c'est que donc par transitivité, si vous êtes super papy, donc c'est super mémé. Oui, mais enfin, quand même, des mémés comme ça, j'en souhaite à beaucoup de monde. Justement, hein. C'est pour ça que pour moi, 53 ans, vous n'êtes pas très crédible en super papy. Vous êtes un petit peu jeune quand même. Ah, merci, ça fait plaisir. Alors, le livre, c'est très touchant, c'est un peu plombant, pour être très honnête, parce qu'il y a des moments de... Vous l'avez lu? Oui, et vous allez me parler autrement, d'accord? Que ce soit bien clair. Non, on s'informe, on s'informe. On dit que ça ne doit pas être facile tous les jours, hein, Jean. Non, parce que vous racontez, vous êtes au fait de la gloire et en 3 mois, tout s'écroule et vous sombrez, enfin, vous le dites dans le livre, dans l'alcoolisme. Vous, pour survivre, vous faites la manche et tout. Et c'est vraiment la rencontre. Heureusement, c'est quelque chose qui finit bien. Ça finit dans un sourire parce que sinon, c'est très plombant, vraiment. Non, vous ne l'avez pas lu. Oh non, il y a des moments qui sont assez drôles. Et en particulier, c'est de là que vient la surprise de la narration de Florence. Car Florence raconte ses 2 années de misère où elle a été obligée de mendier car elle était accoquinée avec un toxicomane et elle allait chercher l'argent où elle pouvait. Et le seul moyen, ça a été d'être dans la rue. Et là, elle raconte et elle dénonce certaines petites choses qui sont assez amusantes. C'est très drôle parce qu'elle fait la manche, elle tombe sur Johnny Hallyday qui lui dit tout à l'heure, mais en sortant de la boîte, il dit j'ai plus à radis. Elle demande de garder sa moto. Oui, mais quand il sort, il n'a plus à radis. Elle rencontre un ministre d'État qui lui dit... Il lui dit, ben oui, je vais vous payer, mais venez à l'ombre, là, venez sous la porte cochère. Elle dit, attendez, moi, je ne vends pas mon corps. Il dit, non, mais c'est pas pour ça. Et il se fait une petite gâterie en la regardant avant de lui donner son billet. Donc, je veux dire, un ministre reconnu. Tout ça, ce sont des anecdotes qui sont... Il est encore en poste? Est-ce que vous savez faire sa voix, Jean Roucas, à ce ministre? Non, parce qu'il a quand même beaucoup baissé en grade. Hein. J'ai écouté le disque aussi, surtout. Ah. Et ça, il y a des paroles qui m'ont un petit peu surprise, franchement. Par exemple? Je suis un pépère superstar qui n'a pas peur de se coucher tard. Bon, la rime est riche. C'est pas la... c'est pas du ferré non plus. Il n'y a plus que ça de riche en France. Les pâtes et les rimes. Et je suis un robot super fighter qui n'a pas l'âge de ses artères. Alors, soit vous avez pris des cours d'anglais avec Laurent Ruquier, soit pour la rime, fighter et artère, j'ai pas compris. Alors, je vous signale, vous avez lu le livre, écoutez le disque, mais vous parlez d'un homme que vous connaissez mal. Je parle couramment 4 langues vivantes. Et c'est pour ça que je vous respecte. Que ce soit bien clair. Par exemple, vous pouvez dire en 4 langues différentes, Jean Roucas, je suis très heureux avec ma nouvelle femme. I'm very glad with my new wife. Oui. Ich bin sehr erstaunt mit meiner Frau. Sono molto contento con la mia moglie. Et putain, je suis vachement bien marseillais à Comagonzès. Alors, c'est vrai. Christine, Jean-Luc et Sophie viennent de le dire, je vais vous redonner la parole. Mais vous êtes celle qui avait sorti la tête de l'eau, ou du pastis plutôt, de Jean Roucas. Oui, c'est terminé l'alcool. Il aime bien le bon vin, c'est terminé. Lui m'a guéri de beaucoup de choses aussi, c'est-à-dire qu'il m'a fait prendre confiance en moi. Vous êtes soigné mutuellement? Oui, on s'est soigné mutuellement.
Christine, vous l'avez lu? Ah, c'est un formidable espoir pour toutes les casse-couilles qui nous regardent. Hein, parce que, franchement, Florence, qu'est-ce que vous avez... Avec votre jalousie. Vous avez pourri la vie à Jean. Mais vous avez pourri la vie de ce mec pendant 8 ans. Je me suis guérie. Hein. Non, je me suis guérie. Non, mais attendez, le problème, c'est pas que vous soyez guérie, c'est comment il a pu supporter un truc pareil. Mais moi, il n'y a pas un mec qui a supporté plus de 2 mois le dixième de ce que vous lui avez fait. C'est vrai. Comment c'est une maladie, la jalousie, vous savez, mais je suis comme des milliards de femmes, sauf que c'est bien aussi à ce point-là, de ma part. Bah, Florence, à ce point-là. Un exemple de jalousie. Alors. Elle fouille dans son... Vraiment, c'est le truc que je ferai jamais. Elle fouille dans son portable pour regarder la liste des gens qui sont inscrits. Elle voit le dernier appel. Non, franchement, le truc, vraiment, je... Elle voit le dernier appel, Christine, bravo. D'une nana... D'une nana, elle compose le numéro, elle appelle la nana... C'est pas ça, il m'a guérie par le mal en fait, parce que ce qui s'est passé, c'est que j'étais tellement jalouse et excessive dans ma jalousie, qui m'a trompée. Donc là, ça m'a guérie. Et ça vous a guérie qui vous trompe? Ah oui. Enfin, c'est bien. Vous êtes intelligent un peu quand même, je sais pas, Jean Roucas, parce que dans votre portable, suffit que dans la liste, on a tous fait ça, plutôt que de mettre le prénom de Marlène, avec qui vous avez eu une aventure, on le sait, en Guyane, plutôt que de mettre Marlène, vous mettez Marcel, et puis voilà, l'affaire est réglée. Oui, mais ça se ressemble, Marlène, Marcel. Non, mais c'est pas ça. Ce qui fait souffrir. Il y a quelqu'un qui va fouiller votre portable ce soir, moi. Ce qui fait souffrir dans la jalousie, c'est qu'on est souvent suspecté pour rien, et c'était mon cas. Quand on est coupable, on est suspecté, bon, à la limite, ça va. Mais moi, j'étais suspecté pour rien. Au bout d'un moment, je lui ai dit, écoute, ça fait 7 ans que tu m'accuses pour rien, maintenant tu auras une raison. Mais Maureen, enfin, allez-y, encore une question. Non, c'est-à-dire, j'aurais compris si c'était... Non, pardon, excusez-moi, mais vous n'êtes pas un mec... c'est pas Alain Delon, tu vois, c'est pas non plus... Pas dans l'état où il est. Merci. Toutes les nanas sont pas au pied de Jean Roucas. Je m'excuse. Je me suis retrouvé à poil dans les magazines People entre Brad Pitt, Johnny Depp et Daniel Ducru. Ah oui, mais t'étais pas à ton avantage, hein, je peux t'assurer. Parce que... Oui, mais j'y étais. J'y étais. C'est l'essentiel. D'accord. Stéphane, peu quoi. Non, mais je vous regarde depuis que vous êtes arrivé sur le plateau et je trouve ça super beau. C'est-à-dire que. Non, mais c'est vrai parce que Gaël. Bon, vous allez bien ensemble, les mêmes couleurs, tout parfait. Non, mais c'est pas ça, mais Laurent, vous les regardiez pas tout à l'heure, mais il y a eu une question peut-être qui était un peu désarçonnante. Alors, je les ai vus se prendre la main, se serrer comme ça et tout, ce qui est bien. Je vais vous dire, moi, les trucs people, ça m'énerve. Les couples qui s'affichent dans les magazines, ça m'emmerde. Ce genre de bouquin, c'est vraiment pas ma came, je vais être franc. Mais quand on vous voit, eh bien, tout simplement, on se rend compte que tout ça, c'est vrai. Alors qu'il y a tellement de gens qui viennent mettre en scène leur connerie, qu'au moins, ben, vous vous aimez vraiment. Ce bouquin, il est au moins bien pour ça. C'est que quand on lit votre truc, on a envie de croire à l'amour et de croire qu'en plus, l'amour, des fois, dans la vie des gens, c'est pas simplement un truc compliqué, c'est aussi un truc qui peut sauver les gens. Donc, merci pour ça. Ouais, merci. Vandel, je suis totalement d'accord avec ce que dit Stéphane. Et ce qui est incroyable dans le livre, c'est que vous savez, quand on commence un livre, il y a tout le temps du même auteur. Alors là, je parle de Jean. Alors, du même auteur, c'est même visuel. Il y a un livre en 90, en 92, 93, 94, et là, plus rien, un immense trou noir, et ça reprend en 2005. Alors, j'ai une question pour vous, vous étiez le type humoriste le plus connu de France, et peut-être même le mieux payé, parce qu'il y avait... Est-ce que vous allez faire comme Coluche une nouvelle carrière à la Tchéopantin avec des trucs pathétiques et réussis? Non, pas du tout. Ce que je dois dire, c'est que j'ai peut-être tracé une petite voie. Il y a eu le bébé de show, juste derrière, il y a eu les guignols. J'ai fait modestement mon travail. Oui, mais est-ce qu'il s'arrête où votre travail? C'était ça ma question. Mon travail ne s'arrêtera jamais. D'ailleurs, vous n'avez jamais arrêté, vous avez toujours fait de la scène pendant toute cette époque. Hein, toujours. J'ai jamais arrêté grâce au public. C'est grâce au public qui est venu voir les spectacles chaque fois que j'en ai fait un que j'ai pu continuer à gagner ma vie. Alors j'en ai déduit une chose, être populaire dans les médias, c'est une question de mode, mais avoir toujours un public, ça c'est une vraie histoire d'amour. C'est bien, ouais. J'ai lu que vous rêviez, après la première compagnie, d'avoir un prime time mensuel. C'est un peu pour ça que vous y alliez. Qu'est-ce que ça donne? On vous a proposé quelque chose? Vous allez faire recommencer de la télé ou... Est-ce que finalement la télé-réalité, ça amène à une suite, quoi? Est-ce qu'il y a des projets? Est-ce qu'il y a des choses qui se concrétisent?
Est-ce que vous m'auriez invité si j'avais pas fait la première compagnie? Ça, c'est sûr. Mais bon, vous n'auriez peut-être pas fait de bouquin non plus. Voilà. Et ben, je crois que la réponse est là aussi. Voilà. Non, mais... Et alors, l'ambiance là-bas en Guyane, manifestement, vous êtes plutôt marré quand même si vous en avez bavé. Oui. Avec Jean-Pierre Castaldi, vous êtes resté pote? Oh ben, avec Jean-Pierre, on est pote depuis 20 ans. Donc, on s'est retrouvé dans cette aventure. On était content de le faire. Oui, c'est pratiquement le seul avec qui je sois resté en relation, parce que les autres ont repris leur train-train, leur vie. C'est un peu comme un film. Hein. On reste ensemble pendant 3 mois, puis quand le film est fini, ben oui. C'est rare qu'on se revoie. Mais Castaldi, lui, il vous appelle encore de temps en temps. Ah ben bien sûr.